une athlète de ski alpin sur l'équipe nationale. J'ai participé aux Jeux olympiques de Pyeongchang en 2018. J'ai fait l'épreuve de slalom et parallèle par équipe. Aujourd'hui, je suis super excitée d'être là pour vous montrer un peu plus sur mon sport, le ski alpin. Le ski alpin, c'est super important d'avoir une bonne technique puis une bonne rapidité pour faire le parcours de haut en bas le plus rapidement possible. Dans toutes les disciplines, ces éléments-là, la rapidité et la technique, sont super importants. Il y a 5 disciplines en ski alpin, le slalom géant, le super géant, la descente, puis le parallèle. Donc l'activité aujourd'hui s'appelle Feu rouge, feu vert. C'est pour les élèves de maternelle à 3e année. On a besoin d'aucun équipement, juste avoir beaucoup d'espace pour pouvoir faire les sauts. Donc, on peut le faire soit à l'intérieur, dans la cour arrière ou n'importe où, même dans la neige pour essayer de répliquer le ski alpin le plus possible. Ça se fait super bien. Donc, quand je vais dire feu vert, on va choisir un des 3 sauts dépendant de la discipline. Donc, le slalom, ça va être des sauts de une jambe à l'autre. Le plus rapidement possible. Ça va être des plus petits sauts pour imiter le slalom. Puis pour les bras, on va les garder solides en avant comme si on tenait des bâtons. L'important en ski alpin, c'est d'avoir un tronc super stable, super droit pour pouvoir être solide tout le long du parcours. Donc je vais refaire le slalom, les petits sauts une jambe à l'autre. Ensuite pour le slalom géant, les bras, même chose, solides en avant. Mais là, on va faire des plus grands sauts, les pieds joints, un peu plus loin pour imiter le slalom géant. Le slalom géant, il y a des plus longs virages, donc c'est pour ça que c'est des plus grands sauts. Ensuite, pour la descente, on va soit garder nos bras, même chose, à l'avant en tenant nos bâtons, ou on peut avoir nos mains en position de recherche de vitesse vers l'avant, les coudes bien collés. Puis on va faire des sauts en ciseaux. Donc, ça c'est l'option avec les bras en recherche de vitesse ou on a l'option avec les bras, avec nos bâtons. On peut même alterner entre les deux. Donc ensuite, lorsque je vais dire feu rouge, on va prendre une position d'équilibre stable, statique, en position de recherche de vitesse. Puis, la position de recherche de vitesse, c'est super important en descente. Pour essayer d'être le plus aérodynamique possible. Les athlètes vont la faire dans des sections un peu plus droites pour essayer d'aller chercher plus de vitesse. On va la pratiquer ensemble. Donc, on va faire un squat de 90 degrés. On va essayer de ramener notre poitrine le plus près possible des quadriceps. Les coudes bien rentrés à l'intérieur. Les mains hautes près du visage. Puis, on va regarder loin vers l'avant pour pouvoir garder notre parcours. Puis choisir bien notre trajectoire. Donc, lorsque je dis feu rouge, on va descendre en position de recherche de vitesse. Coude rentré, main levée, regardez loin vers l'avant. On garde notre position le plus petite possible pour pouvoir aller chercher le plus de vitesse. Dernière fois, squat, quadriceps bien engagé, la poitrine près des cuisses. Coude rentré, main levée, et on regarde loin vers l'avant. Êtes-vous prêts? Fais pause. C'est parti! Slalom, feu vert. Garde les bras solides vers l'avant. Feu rouge. Feu vert. C'est le slalom géant, là. Feu rouge. Allez, on descend bas, on se met petit. Feu vert. On saute. On laisse le corps stable. Feu rouge. Allez, on lève les mains. Regarde loin, loin vers l'avant. Feu vert. On retourne au slalom. Et on reste stable, on regarde loin vers l'avant. Les bras stables, feu rouge. Ouh, les jambes commencent à brûler. Continue, baisse les quadriceps.
Plus bas. On essaie de la descente maintenant. Les bras vers l'avant. Plonge. Plus bas. Slide up. N'ayez pas peur d'alterner. Vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes exercices que moi. Vous choisissez votre préféré si vous voulez faire slalom tout le long. Vous pouvez faire rouge. Si vous préférez la descente, ça peut être la descente tout le long aussi. Feu vert. Descente. Position de recherche de vitesse. Dans les bras hauts. Ouh, je commence à être essoufflée. C'est bon, c'est comme le ski. À la fin, on est essoufflé. Il faut garder la technique. Plonge. Et on lève les bras. Feu vert. Slalom. Continue. Garde les bras stables. Ou du corps droit. Plonge. Même si les cuisses y brûlent, on continue. Feu vert. Slalom dur. Continue. L'important en ski alpin, c'est d'être bonne de haut en bas. D'avoir une bonne technique tout le long. Plonge. On fait une dernière fois. La descente. Plonge. Ouh. Bravo tout le monde. Merci beaucoup d'être avec moi pour apprendre les ski alpins. Vous avez fait du bon travail. On se voit bientôt sur les pentes.